Yo les bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing! Unboxing, vous le voyez dans un décor qui n'est pas très habituel puisque je suis actuellement en Belgique, à Bruxelles, où je vais donc faire pas mal de tournages cet été. Et donc là, petit matos justement pour ces tournages. Oh, ces gens, ils sont pas sérieux, putain. Alors, il reste rien dans la boîte après. Bien, donc comme vous pouvez le voir, du gros matos pour le son. Puisque vous savez que le son, c'est quasiment, voire plus important que la vidéo. J'ai déjà un micro HF qui est là, mais le problème, c'est que quand on est deux à parler, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo sur les métaux alcalins, on avait du mal à prendre le son de Vincent. Donc c'est pour ça que je me suis pris du bon matos maintenant pour le son. Un bon micro-perche, donc on devrait arriver à avoir un son assez constant et de bonne qualité dans les prochaines vidéos. Donc, le matos qu'on a là, qu'est-ce qu'on a? On a ce blimp, cette blimp de chez Rode, qui est donc une énorme cage qui va protéger du vent, en fait, le micro. Ici, on a donc un sabre laser, hein, version Maître Yoda. Voilà, donc ça, c'est le Rode Boom Pole, pour donc prendre le son d'au-dessus ou d'en-dessous quand on est à distance, voilà, avec le micro. Et là, donc, le clou du spectacle, le fameux micro. Donc je me suis pris un Sennheiser ME66 avec son pack alimentation K6. Donc parce que c'est un micro qui a une directivité super cardioïde. Donc ça va prendre le son assez devant, mais pas trop, de façon à ce qu'on ait un petit peu d'angle quand même pour prendre si on a deux personnes qui parlent. Donc on va l'ouvrir. Hop, ici on a la boîte et là, voici, en fond de... Et là on a le fameux micro, donc le Sennheiser ME66, qui est plutôt balèze quand même, hein. Il est assez sympa. Hop là. Et pantalon. Le fameux K6 là, hein, pour faire les petites recettes fruitées de l'été. Donc le module K6, on va pouvoir mettre la pile et à l'arrière brancher une connectique XLR. Donc ce petit module K6 qui va normalement se brancher au cul du micro. Et là, ça commence à avoir de la gueule, hein. C'est plutôt pas mal. Donc on a un truc qui doit faire dans les 31 cm. Heureusement, normalement, ça devrait rentrer dans la blimp. Toujours faire gaffe que les accessoires soient compatibles entre eux. Bon, le micro, le voilà. Maintenant, blimp, ça remplace et c'est ce qui est un peu plus performant que ce qu'on appelle les dead cats. Oui, des chats morts littéralement. C'est l'espèce de grosse fourrure qu'on met sur les micros. Ça couvre bien du vent. Ça couvre très bien du vent. C'est juste la différence, quoi. C'est frustrant. Oh, oh. Genre, c'est pas du petit modèle, le bordel, quoi. Oh. Et donc là, vous avez la petite fourrure pour protéger tout votre avant-bras. Hein. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est fashion. Hein. C'est très doux. Putain, il y a encore les pattes. La moumoute qui perd ses poils pour encore plus protéger du vent et donc qui est faite pour se glisser par-dessus le blimp. Voilà, donc là, on a la petite pince qui permet hop, d'orienter ça comme on veut. Hop, le verrou ici. Et donc là, en dessous, on a un filetage 3/8 de pouce qui va donc gentiment, miraculeusement, tout bonnement s'adapter au filetage 3/8 qui est sur la perche. Et donc on va pouvoir, clac, visser ça en dessous. Et ça c'est bon. Et quand on desserre les vis, le nouveau blaster gun, donc après le sabre laser. Et donc on a cette jolie petite fixation, ajustable pour que le micro rentre bien dedans, tout ça. Et ici donc on va pouvoir mettre la fixation avec la connectique XLR au cul du micro. Et là en fait on ressort sur un XLR femelle. Donc c'est là qu'on va venir brancher son câble, qui peut passer d'ailleurs à travers le boom pole pour connecter ça à votre enregistreur ou à votre caméra directement. Ah oui, j'avais pas vu aussi, il y a une petite brosse pour brosser la moumoute du micro. C'est mon kiki, il est parti sur la route et il y avait un chemire-borque. Mais ça reste mon petit kiki, hein. Ah, mon kiki, il est en 2D. Ceux qui regardent les coins d'image l'ont peut-être vu, il y a autre chose encore. Il y a encore un truc que j'ai pris, c'est ça. Oh putain, c'est lourd. Voilà. Un énorme pied avec une perche où je vais pouvoir attacher la blimp au bout. Parce que des fois, ça m'arrive d'être seul dans les tournages, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour percher, donc à ce moment-là, on pourra mettre le micro au-dessus de nous ou en dessous pour prendre le son de loin. Donc, on l'ouvre. Poussez, madame, poussez, poussez. Ce joli pied est donc le Superlux MS200, qui a l'avantage au moins d'avoir tout intégré, donc le pied, le support et la perche orientable. Très lourd par contre. Ça a l'air, il fait facilement 10 kg ou 9 kg, un truc dans le genre. Donc on va essayer de le monter vite fait, de fixer la blimp au bout pour voir un petit peu.
Oui, alors effectivement, c'est peut-être un petit peu overkill, léger. C'est pas du tout un pied qui fait genre 10 kg et qui peut s'étendre à je sais pas combien de mètres de haut. Hein ? Voilà. Donc on a ici une première vis de serrage qui permet de maintenir le pied écarté. Une ici qui donc sert le premier étage qui se déploie là. Une qui se balade et je sais pas trop à quoi elle sert. Voilà, on verra ça plus tard. Une autre ici pour déployer le second étage avec une goupille, donc pour maintenir bien en place, ça c'est super cool. Et là, vous le voyez, donc la partie rotule, entre guillemets, la partie qui permet de faire donc une orientation avec une grosse vis de maintien là. Et donc, je vais pouvoir orienter ma perche de haut en bas bien comme il faut et percher comme je veux. C'est énorme. C'est un putain de paratonnerre le truc, quoi. Et donc, le contrepoids ajustable à l'arrière comme ceci. C'est pas mal du tout. Là, bien sûr, on peut encore étendre et au bout, il y a une vis de fixation. C'est beau, c'est très très beau. Bougez pas, j'ai compris à quoi elle sert cette vis au milieu. Tout simplement, en fait, quand on la serre, ça évite que si jamais le pied se détend, boum. Voilà, ça le bloque là, en fait, ça fait sécurité de plus une fois qu'on a serré ça. À l'extrémité de la perche, le filetage est assez gros et heureusement, ils ont filé donc un adaptateur pour passer à du standard 3/8 de pouce. Alors, après avoir remis la blime dans le bon sens, je vais donc faire un petit test là avec la perche qui est toute montée, tout le truc qui est vissé donc avec l'adaptateur. Je vais mettre quand même la moumoute parce qu'il y a un petit peu de vent, donc on verra l'efficacité que ça a. Après, il faudra tester bien sûr le son sans aucune cache, sans rien, pour avoir vraiment une idée de la qualité. Et je vais faire un test aussi à distance, puisqu'on n'est pas tous dans la situation où on peut bien prendre le son à 30 cm de la personne. Alors, normalement, le micro est branché, vous devriez entendre ma voix ici avec le son du micro-cravate. Et là, maintenant, le son de ma voix à peu près 50 cm avec le micro. C'est branché straight out of the box, quoi. J'ai fait aucun réglage, aucun rien du tout pour l'instant. Donc, si le son est mauvais, faut, voilà, on verra. Mais a priori, il devrait être pas mal dès le début. Je vais écouter déjà si c'est bon et après, on va continuer les tests quand même. Ok, donc, petit test comparatif rapide. Là, vous avez le son avec le micro directionnel de ma caméra qui est le Sony ECM-XM1. Et là, vous avez donc le son du Sennheiser ME66, à peu près à une distance de bras, donc on va dire un peu moins d'un mètre. Et voilà, le son là, il est comme ça. On a un petit peu de vent, on a des ojeux qui chantonnent derrière. Là, vous avez vu, quand je tourne la tête, forcément, c'est là que le HF sera plus pratique, parce que si je tourne la tête, on m'entend moins. Ça, bon, voilà, ça c'est des petits détails. Là, vous avez du vent, tiens. C'est bien, ça bouge pas les niveaux, il n'y a pas de vent. Ce qu'il faut penser quand on a un micro super cardioïde comme ça, il va prendre certes sur une zone plus petite avec un angle assez réduit, mais attention qu'il va prendre aussi ce qui est derrière. Donc si jamais vous perchez par en dessous, vous allez prendre tout ce qui est derrière vous au-dessus, donc il peut y avoir des oiseaux. Si c'est pris comme ça du dessus, ça va prendre le son qui est là et le sol, ça va, mais attention qu'il peut y avoir des échos avec le sol. Bon là, l'herbe, ça devrait aller, mais il peut y avoir des échos qui peuvent être assez gênants, donc faites attention à ce genre de détails. Donc voilà, ce magnifique micro Sennheiser ME66 à une distance d'un mètre et je parle tout à fait normalement. Réglage de base, je suis à peu près à 40% du niveau d'enregistrement sur ma caméra, sans alimentation fantôme, donc je mets en entrée type micro. Je me recule encore d'un mètre et là donc je suis à 2 mètres du micro, toujours voilà avec une élocution normale et une voiture qui est passée en plein milieu de ma phrase. Je sais pas si on l'entendra ou pas, mais a priori ça devrait être plutôt pas mal. Voilà, donc là je suis à 3 mètres du micro à peu près. Donc ça commence à faire une bonne petite distance, mais ça peut être plausible comme distance d'enregistrement si jamais on a deux personnes et que la caméra est un petit peu loin comme ça. Alors maintenant, petite démo de l'effet supercardioïde. En fait, quand vous parlez de face, on entend que le son est assez clair. Mais plus vous vous déplacez sur le côté, plus vous allez entendre que le son devient étouffé, puisque donc ça rejette tout ce qui vient du côté. Et si je me mets complètement derrière, vous entendez que le son est totalement étouffé. C'est fait pour. C'est-à-dire que le principe, c'est effectivement de rejeter tout ce qui est sur les côtés et sur l'arrière et de n'entendre que ce qui est devant. Il y a une différence assez nette quand même. Hein. Là, c'est flagrant direct. Donc là, j'ai ouvert la blimp. Je vais délicatement balancer de mon souffle volumineux sur le micro. Et vous voyez que ça part complètement en couille. Hein. Là, s'il n'y a aucune protection, hein, désolé pour vos oreilles. Hein. Voilà. Maintenant, on va juste remettre la blimp et je vais souffler dessus de la même façon. C'est plutôt efficace. Hein. Et donc là, j'ai mis le Dead Wombat qui est fourni avec. Et là, il y a un vent ambiant. Rien. Je souffle dessus. Ça peut vous sauver des plans, ce genre de truc. Donc c'est vachement utile. Alors après, si vous voulez vous la jouer à un reportage France 2, vous pouvez aussi vous en servir de micro à main. Ah, t'as juste l'impression de tenir un chat mort. Hein. C'est vraiment pas du tout glamour. Tu peux aussi t'en servir comme micro-cravate. Hein.
Bonjour à tous, ici BFM TV aujourd'hui pour un reportage super spécial où vous n'allez entendre que ma gorge puisque là il est pointé directement là. C'est... Ça fait très Chuck Norris en fait. Oui non, c'est pas ta mère. Viens mon chat, viens. Un petit sirop. Après quelques tests, je viens de trouver un truc assez énorme. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun fil entre la perche et la caméra. Tout simplement parce que quand on met une pile, on simule une alimentation fantôme et du coup, on n'a plus besoin d'une caméra ou d'un gros enregistreur. Donc là, j'ai relié la perche directement à un kit Sennheiser G3, donc un kit sans fil, et j'ai une perche sans fil. Et en plus, je peux mettre un deuxième kit que j'ai là, donc j'ai mon micro-cravate sans fil et la perche sans fil. C'est juste trop bon, quoi. Voilà, enfin, c'est cool, quoi. Bien les amis, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel unboxing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je sais que j'ai pas forcément tout testé. Donc vous le voyez, un beau matos. On l'espère de bons tournages très bientôt cet été. Et donc là, on a de quoi faire un super son. Donc abonnez-vous à la chaîne secondaire si vous voulez suivre toutes les vidéos bonus et ce genre de choses. Laissez un petit like et puis à la prochaine. Ciao !